Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Yo! Donc là, ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle va organiser son premier barbecue. Ouais. T'es prête ou pas? Oui. Non, mais t'inquiète, on va t'aider. On attend par contre le chef de famille, il va rentrer du travail, a.k.a. Et quoi? A.k.a. papa. Ah, et papa. Tu crois, c'est qui le chef de famille? Ah, tu crois que c'était toi le chef de famille? Bah oui. On va découvrir le barbecue, ça fait au moins. Ça fait combien de temps on l'a pas? 20 millions, millions d'années. Ça fait grave longtemps, vas-y, viens, viens, on va découvrir ça. Eh, déjà, je te jure, s'il y a une bâche. S'il y a un serpent qui saute dessus, je pète de rire. 1, 2, 3. En vrai, ça va. Hein. Ah, il y a des araignées. Il y a des araignées, il y a des corps d'araignées. En vrai, ça va. Il est super stylé. Regardez, il y a une araignée. Il y a une momie d'araignée. Je vous promets. Mais les araignées, ça change de peau ou quoi? Et, touche pas. Hein. C'est un truc de malade. On va le nettoyer. Et puis A few moments later. Vraiment c'est bon, la dernière étape là, je frotte un tout petit peu là. En vrai la viande elle va être sur les grilles, donc faut juste que les grilles soient propres. Voilà, Myriam, tu vas va dans le frigo et va ramener les merguez, va ramener toute la graille, va ramener les sandwichs. Moi je t'attends là. Vas-y. Là c'est le moment de préparer et comme je suis la plus petite, ils m'ont dit tout préparer, ça se fait vraiment pas là. Alors on va tout vous présenter. Là on a les pains de la Hesse, ça se portera des sandwichs de la Hesse. Oh, les merguez, c'est la base, c'est vraiment la base de ma barbecue. Ça, c'est la viande préférée de Younes. Genre, c'est des brochettes. Eh, des autres merguez, je sais pas si celles-là sont piquantes ou pas. Eh, vous êtes team piquant ou pas piquant? On va prendre les sauces. Là, vu que je suis une vraie DZ, la sauce algérienne, c'est la base. Ça, là, qui mange ça encore en 2023? Sauce, burger. Ça, en vrai, ça peut être la base. Ça y est, le boss vient de rentrer du travail, il est un peu énervé, donc on va pas trop faire le malin. Il a dit qu'on prend un peu de charbon. C'est parti, il arrive, il est parti casser du bois. Oh le charbon! Oh ça me fait penser à l'enfer, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je jure, en enfer et charbon, frère. Après on met le charbon là. Ah, il y a du bois qui arrive. Et dans un barbecue, quand tu fais le barbecue, après il faut faire ça. Ah toi c'est la seule étape que tu connais de faire ça, il faut faire ça aussi. Oh, en train de casser du bois. Lui, il ne connaît vraiment rien. On va procéder à l'allumation du feu. Il faut que ce soit fait par des professionnels, ok? Elle est partie, dégage, t'es pas professionnel. C'est bon, on a réussi à mettre le feu. Technique, j'ai bien compris, si tu prends du bois, tu casses. Avec un peu de charbon, tu allumes une feuille. Et arrête, tu laisses le feu faire. T'allumes une feuille. Ouais, ça s'allume une feuille. Non, mais t'allumes une feuille. T'allumes une feuille. Viens, mes doigts. Arrête. On va commencer par les merguez. Celles-là, elles ont l'air vraiment balèzes. Fais attention que tu te crames quoi. Hein. T'inquiète. On va mettre une là. Ça, c'est pour le retourner après. Ouais. Fermé, hein, je crois. Ouais, on va le fermer après. Hop. Hop. Mais tu as tourné entre les deux. On enchaîne avec ceux-là aussi. Je pense que là, sont piquantes. Ceux-là, sont piquantes, tu penses? On va les mettre là. Enfin, passe-moi le truc là. En vrai, on va faire avec ça, c'est mieux. Hop. Oh, c'est un chef cuistot. C'est pas un vrai. C'est pas là où il y a le feu, Inès. C'est pas là où il n'y a pas le feu. Là-bas, il n'y a pas le feu. Mais je crois vraiment ça pue. Ah, c'est un barbecue quoi. Bonjour, on équipait toute la famille. La petite dernière. Parfait, on va refermer ça. Pour patienter que les merguez à cuisse, et ben on va faire un petit jeu. On va voir si tu me connais vraiment. Je vais te poser 5 questions, on va voir si tu réponds bon. Ok, c'est parti. C'est quoi? C'est moi qui va te les poser. Va derrière. Quelle est la couleur préférée de ta petite soeur Myriam? Violet pastel. Tu sauras pas, ok. Quel est le sport préféré de Myriam? La gym. Quelle est la marque de basket préférée de Myriam? La marque? Les baskets, la série qu'elle aime bien. Ah, les Air Force. Quelle est la matière préférée à l'école de Myriam? Qu'est-ce qu'elle préfère à l'école? Les maths. Okay, quel est le plat préféré de Myriam? Le plat préféré, c'est quoi déjà? Tu manges dehors, c'est un truc que tu manges dehors. Ah, dehors? Ouais. On a mangé il n'y a pas longtemps. En vidéo. Quel est le plat? Non. Non. Alors, t'as 3 bonnes réponses sur 5. Tu t'es trompé sur son plat préféré. C'est quoi, Myriam? Des sushis. Quoi? Bah oui, mon n'importe quoi. Mon plat préféré, c'est les sushis. Elle a changé. Et ta matière préférée à l'école? EPS.
Quoi? Il y a de la fumée de partout. Oh, je savais pas que les barbecues c'était comme ça. Mmh. Wow. On va les retourner, les gars. On va les retourner un peu. Oh, elles sont bien juteuses. Hein. Oh là 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 là, incroyable. Par contre, comment elles vont être chaudes? Elles vont être très très bonnes. En vrai, on peut aller ramener les brochettes après. Hein. À tout à l'heure. Désolé. En attendant que les merguez et les brochettes ils vont prendre, on va faire un foot, match. Un taureau. Un VS1. Un taureau, vas-y. Mais comment ça, un taureau et qui filme? Je sais pas, après. Hein, on doit faire un match. Je joue contre moi. Ah, ça veut dire que je suis nul. Pour marquer, moi je vais mettre en chaussée. Je vais pas me faire mal aux pieds. Ouais, il y a des araignées, on va te manger des pieds. Allez, c'est parti. Match. T'es là, Chi. Bah là, moi. Okay, c'est parti. Je vais travailler. Allez, viens, tu vas voir c'est quoi Neymar. Tu connais Neymar? Neymar. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Oh, ah, allez, viens. Regardez Yacine comment il lui a pris à jouer au foot. Elle reste dans ses buts. Elle reste que dans ses buts. Elle a la raison, elle a raison. Comme ça, tu l'as pris à jouer au c'est foot. La défense en zone, elle a raison. Ça, c'est la honte. Le recul frein. Allez, viens la prendre, tout le monde te regarde. Allez, viens la prendre, approche. Te jette pas. Ah, vas-y, bah, c'est pareil. Voilà, c'est goal. Bon. C'est comme ça que tu lui as. C'est bien, Myriam. Maintenant, c'est vite. Oui, égalisation 1-1. Vous avez vu comment il l'a formé une. C'est bien, Myriam. Prends-moi la balle, balle à moi. Il y a balle à moi. Vas-y, viens maintenant, viens la prendre. Mais bah, sors des buts. Clairement pas. Sors des buts. Égalité. T'as failli te le prendre, t'as de la chance. Ouais, ouais, c'est une bonne défense. Allez, hop, 2-1. C'est moi qui les prends. Tiens, Myriam, prends ça là-bas. Rajouter un peu de feu. Ah, ok, on va rajouter du feu. On avance. Soit on mange des merguez et on attend, ou soit on fait tout en même temps. Viens, on attend. On va rajouter du feu et après on va mettre les brochettes et après on mangera tout. Après avoir corrigé la petite, on va corriger le plus grand. Là, je te propose de faire un 0 fois par terre. Là, c'est normal. On va en 3, ok. On a 3 touches max. En chaussettes, c'est la base. Ok, je savais que ça allait être trop facile avec lui, donc je vais rajouter des règles après. Comme au foot. Oh, oh le tricheur. Bien joué, bien joué. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui va dire combien de touches il va faire avant d'avoir le ballon, et c'est lui qui va dire combien de touches il doit faire avant d'avoir le ballon. J'ai un truc à dire, je suis avec Yacine. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 2, 1. C'est lui. Et on te prend un big pain, ou est-ce que t'as une petite faim et on prend un pain moyen? Attends, je choisis mon pain, mais j'ai à l'aveugle. Ok. Il est où? Ok, tu prends celui-là. T'as pris le plus gros. Myriam, nous, on a les tacos, les McDo, les burgers. Il n'y a personne qui mange des sandwichs au merguez. Mais à l'époque de nos tontons, et à l'époque de vos tontons, les tacos n'existaient pas. Eux, ils appelaient ça un américain. Et regardez ce qu'ils mangeaient. Tout le temps, ils mangeaient ça. Papa, t'as connu l'époque des américains, toi? Tu vois, les anciens, et c'est ça, les anciens, c'était des américains, c'était quoi? Ils prenaient un pain. Mais pourquoi ils appellent ça américain? En Amérique, il n'y a pas ça. Si c'est un truc de halleuf, peut-être. Ah, en Amérique, ils ont les hot dogs. Et ça, ça ressemble un peu à hot dog. Ils faisaient quoi? Ils allaient au grec. Ils faisaient, mets-moi un américain, chef. Alors, tu veux quelle sauce? Algérienne? Les deux, en fait. Mélange. Ok, on commence par la sauce. Mélange les deux, s'il te plaît. Ok. Alhamdulillah, je suis pas né à cette époque. Heureusement, il y a les tacos et les McDo. Ok, on met de l'algérienne. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient. Alors, tu veux combien de merguez? 2. 2. 3, 4, 5. Ils prenaient une merguez, une autre troisième. Merguez. Et je sais pas si dans l'américain il y avait un fromage. Non. Non. Et toi, tu veux un fromage ou pas? Non. Ok. Non. Donc, et ça, maintenant, c'était... rajoute de la sauce. Encore de la sauce? Ok, laquelle? Algérienne et Biggie. Les deux? Mais pas beaucoup là cette fois. D'accord. Tu mets de la Biggie aussi? Ouais. Une vraie DZ, elle aurait mis que de l'algérienne. Hein. Et un peu d'algérienne. Non, ça pique plus. Ah ouais, t'es pas une vraie DZ. Et voilà, demandez à vos tontons, je vous promets, ils vont dire que quand on était jeunes, nous c'était les Américains. Tiens, voilà un Américain. On va noter ce repas. Et ça coûtait même pas, ça coûtait 2 euros, je pense que c'était les francs, mais ça devait faire 2 euros. 2 francs. Bismillah.
Un américain. Il est incroyable. Incroyable les américains. Est-ce que c'est mieux qu'un grec? Vous avez connu l'époque des américains, mettez des likes. Eh, ce nom il me fait trop rire. Non, ça, les anciens c'est bon les américains. Mais vous auriez dû prendre 4 canettes. Pourquoi? Parce que ça assèche grave la gorge, wesh. Ah ouais, mais j'avoue, il est bien balèze, hein. Tu penses que tu vas réussir à le finir ou pas? Logique. Bon, t'as très très soif? Ok, j'arrive. La gourde. Est-ce qu'il y en a, ils savent? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, ils vont avoir la rêve. La gourde du brave. Quand vous faisiez des lives sur Fortnite, t'es content? Toi, je l'ai acheté spécial pour l'été. Tiens. Tu vas réussir à boire dedans? En ça, je sais pas si je suis tout seul, mais moi, je préfère l'hiver, hein. Moi, je vous dis la vérité. L'été, il fait grave chaud, il fait nuit jusqu'à 22h. Quand tu pars pas en vacances, c'est la psychiatrie. Bismillah. Wesh, doucement, doucement, ça c'est ma gourde pour le sport, je l'ai acheté pour le sport. Dès que je fais du sport, je fais que de boire dedans. Les brochettes, normalement, c'est bon. Oh, elles sont trop bien cuites. Par contre, je sais pas si à l'intérieur c'est cuit. On va regarder ça. À l'intérieur, c'est blanc. Je pense qu'elles sont cuites ou pas, Yacine, encore? Regardez à l'intérieur. Non. Ouais, à l'intérieur, c'est pas cuit. Faut les retourner tout le temps, en fait. Bon, ça, faut tout le temps les retourner. Un barbecue. Faut pas être pressé, tu commences à 20h, tu manges à 22h. Là, je viens de finir, mais les Américains, par contre, comment ça, quel, c'est un truc de ouf. Elle a rien laissé, et je vous promets que elle là, d'habitude, elle mange jamais rien. Si elle finit, c'est vraiment que c'est une dinguerie. Hein. Bah, en vrai de vrai, ça peut que être bon, sauce algérienne, merguez, bout de pain, logique. Il va faire nuit dans quelques minutes, les gars, tout le monde a mangé, il manque plus que moi. On va voir si la cuisson au barbecue, ça fait la gif ou pas. Myriam, elle a déglingué son sandwich, on va goûter d'abord les merguez. Et j'avais pas fini de le déglinguer, mais bon. Oh là là, là on a une merguez bien grillée avec de la bonne sauce. On dirait pas, attends, on dirait pas le doigt de Sukuna, ceux qui ont la ref. C'est qui Sukuna? Non, t'inquiète, c'est rien. C'est à dire? Non, t'inquiète, tu peux manger, hein. Dis bismillah et c'est tout et mange. Sukuna, je sais c'est qui. Je comprends ce qu'elle disait. En mode, c'est fumé. Tu vois la fumée du barbecue, ben, tu la sens. Ça fait comme, je sais pas comment on peut expliquer ça, un goût fumé. Genre bacon fumé, non pas du porc, mais genre la dinde fumée, c'est grave bon. On va enchaîner la dinde. Le porc c'est bon? Non, de la dinde fumée, la dinde, t'as vu quand bacon halal fumé? Bacon halal. Vas-y, foutez de ma gueule. Ensuite on a 3 brochettes. Et il en a pris 3. Et comment elles sont mastoc. Myriam, demain matin, il y a quoi à 8h du matin? Demain, l'école. Y a le parc Astérix. Demain, l'école, 8h du matin. Arrête. Anglais, français, SVT, mathématiques. Bon, allez, c'est parti, sans En plus, demain, on est EPS. Vous faites quoi en sport? Je sais pas, là, ça va changer, je sais pas. Ah, même pas besoin de sauce. Venez voir, venez voir. Je suis obligé de dire que c'est bon, sinon mon père, il va me... C'est super méga bon. Même pas besoin de sauce. Incroyable ça. Non, vraiment, moi, j'aime pas trop. Et toi? En vrai. En tout cas, la famille, on a kiffé faire cette vidéo au barbecue. C'est validé. Le barbecue, c'est juste ce qui est chiant. C'est que si t'as faim, fais pas un barbecue. Parce que si tu fais ton barbecue à 20h, tu vas manger à 23h. Ou alors, tu fais ton barbecue à 18h. Voilà, si tu fais ton barbecue à 18h, tu manges à 20h, c'est impeccable. Comme une balançoire. N'hésitez pas à mettre un like. Et la familia, c'est la base.